Et coucou tout le monde, c'est à nouveau moi. Nous voilà pour une session braco en cambrio. Donc petit topo là, je fais un autre check, vite fait, si jamais les flics arrivent, je pars par la porte qui est en face là-bas. Je cours là-bas, je tourne à droite et il y a un buisson juste après. Donc concrètement, bah, s'ils me voient pas, ils sont baisés. Parce que du coup, je me mets au buisson, je fais buissonnade, et ça devrait passer. Ouais, je suis au parking. Reprends ton arme. Ouais. Attends. On bouge Oui. avec parce que... Je crois pas que ce soit pour nous. J'ai raccroché en ligne. Ouais. Non, ça fait chier évidemment, on se fait tourner autour le soir où je suis pas là. Voilà, reprends ton arme, on sait jamais, on va aller au quartier là. Allez, go. Et à la limite, je serais même pour. Au lieu de rester dans la voiture à chaque Coucou, cambriolage, c'est Makia. mettre pied à terre. À côté de la voiture, le temps que l'autre le fasse. Non, mais c'est ce que je faisais tout à l'heure quand j'étais tout seul avec les. Je la Oui. sécurisais à distance, mais je la sécurisais, j'étais en dehors de la voiture, j'étais l'arme à la main. Nickel. Ouais, bah, peut-être Et faire ça même cette à un semaine. moment, il m'a Je l'ai fait fait flipper au bout peur. d'un moment, j'étais trop proche, elle a entendu des bruits de pas, mais elle m'a pas vu réellement. J'ai C'est entendu bien, le les grand bruits beau de pas dans la réflexe. villa d'à côté, du Elle n'a coup, pas, bah, comm... je sais pas comment c'est, commencé je me son suis truc pour approché. s'approcher, j'ai fait un seul tour. Ben ouais, c'est bien, le bon réflexe. Bah écoute-moi ça va. Hein. Putain, on a pas de bol quand même, il fallait que au même moment les vagos changent de bise et prennent le même que nous. Non, mais ça. Non, c'est bon. Non, c'était juste que j'attends. Non, tu vas passer, toi, bordel. Du coup, bah j'ai Return to Moria qui est prêt pour ce soir. Ah, tu vois là tout à l'heure on était avec Jordan, on faisait le plein et il y a une Sultan grise qui est passée et qui a ralenti en nous voyant faire le plein. Oh ouais, moi aussi. Passer tout doucement. Ah t'étais là, bah oui, bon bah voilà. Du coup, ouais, on a remarqué qu'il y avait une bagnole grise qui passait régulièrement devant chez nous. Et tout à l'heure, on a eu le droit à un 4x4 rose qui a tourné aussi, pas trop loin. Et du coup, tu veux pas me déposer, que j'aille voir s'il y a des moyens pour monter sur le toit, mais je veux pas monter. Hein. Ça va pas le faire. Pas besoin de ça. Avec l'autre, t'as bruti, sérieux quoi. Ah, quel guignol celui-là Ouais, aussi. Il m'avait bien excité, lui. Alors, je cherche des camps pour monter, mais vous inquiétez pas, c'est pas pour monter. Ouais, bien sûr. Ah, je vais aller faire le parking là-bas, tu vois. non, mais franchement, le mec était vraiment con, quoi.
Je suis pas d'Oscar, mais j'en ai rien à foutre. Pas se voir aussi, peut-être champ de pétrole après. Ouais, ouais, je vais faire tout le tour. T'inquiète, je connais tous les coins, c'est pour gâter. Oui, je me doute. Donc, Ronnie, guetteur professionnel. Je suis content qu'on ait récupéré la caillère. Possible, à voir. Oh, faudrait juste presser encore un peu le coup pour récupérer des PL, parce que là. Olé. Non, je t'ai pas touché, c'est pas vrai, arrête. Bon. Si on a une attaque, ça va être chiant, quoi. Je psychote, c'est pas bon pour eux. J'espère juste pas ce soir, du coup. Ça serait con. Oh merde! Ah! Y'a des. Les tuyaux sont reliés, ouais, c'est logique quand même. Je suis monté, où est-ce que je suis monté, moi? J'avais mes arbres fétiches dans le coin. Personne à run là? Je vois personne perso. Je guettais enfin, depuis moins... l'arbre juste ici là. Non, y'a personne. Le petit arbre qui est en face là, vous voyez celui que je suis en train d'éclairer? Ouais. Je guettais de là le quartier. Putain. Ah oui, t'as une belle vue, hein. Ah bah là. T'as pas meilleure vue là. Je me garais. Hop. C'est là derrière là. Hop là, je me garais ici là. Mon stress. Ouais, ça va, ta bagnole est assez discrète. Hein, ah, discrète, coin. Tu la vois pas, personne la voit. Et... De toute façon, là, on va faire le tour. Hein. Malheureusement pour eux, on a déjà fait plusieurs défenses et contre des plus gros que donc. Ils ont pas de bol. Et on a avec des PL. Là, on a 3-4-3, on a. Bon, c'est vrai qu'on a que deux. Oui, c'est quoi, un usé, un scorpion. Ouais, bon. Le seul truc chiant, c'est qu'on a perdu un de nos meilleurs tireurs. Ouais. Pas qu'un. On a perdu Marvin, on a perdu Yazid. Ouais, mais bon, Marvin, s'il était tout le temps bourré à la fin. Ouais. Il devait plus vite droit. T'as 200% de chance qu'il te foute une balle dans le cul. Il visait bien quand il était bourré aussi. Hein. Tu sais, il avait genre la technique du maître ivre. Voilà, ah, ouais, la technique du panda. Quand t'es bourré, tu vises bien. Non, c'est juste que tu prévois la chose en fait. Ouais, ouais, il était un peu dans le turfu. Il fait comme dans le film là, il tire et la balle elle fait un putain d'arc de cercle pour arriver droit dans ta tête. Exactement. Je suis sûr qu'il y arrivait, pardon. Voilà ma voiture. C'est... Quoi? Oh là là, mais les gens ils ont fumé. Un chat qui distribue des costumes d'Halloween et qui a ramené un bulldozer. Oh putain, c'est pas... Vous avez... Les gens ils fument trop en fait. Hein. Je crois que les Lost ils ont donné de la trop bonne cam là. Totalement, je suis volé, du coup on est à ça. On a deux toasters. Il n'y a pas de nouvelles manettes. Les câbles non plus, circuit. Putain, ça fait chier ces histoires d'appart, parce que même si du coup, dans le meilleur des mondes, le 7 il est motivé et tout, bah, on va faire crêcher chez quelqu'un. Déjà rien que moi. Hein. Ouais, mais une personne, tu te dis, bon, allez, encore ça passe. Deux, ça devient relou.
Bah c'est ça, ouais. Surtout que ça fait... Pff, putain, mais Yazid, ça fait plus d'un mois. Moi, je pensais que c'était un mois avant que il y ait les procédures d'expropriation. Je suis désolé, il faut que je fasse une pause, les gars. Bah, pas de soucis, on va Voilà. attendre là au cas où. On va y aller à 3. Non, allez-y, allez-y, tracez, tracez, Ok, tracez. on y va, ok. Ne vous occupez pas de moi. Faites gaffe à vous, Ok. surtout. Couvrez-vous, les... T'inquiète. Je mets les cadeaux. Bah, je suis à la Je suis limite un Mirror peut-être d'accord Park. pour garder le masque au cas où tout le temps. Je sais pas. Bah disons que si t'as tout le temps le masque, t'auras les flics qui vont t'arrêter parce que t'es en masque. Hein. Oui, mais ils vont faire quoi? Oh, vous avez un masque dans votre voiture. Oui, Putain, bah je oui. suis. Merde, j'ai oublié mon point et je suis un Mirror du coup. J'arrive pas à me rendre compte si je suis chez les Balas ou pas. Ah. En tout cas, je suis pas loin. Ah. Mais je connais trop mal leur quartier pour savoir si c'est dans leur zone ou pas. Ouais, bah tant que c'est pas comme moi, juste à côté de la sub déjà. Moi, c'est derrière la pharmacie. Derrière La la... baraque en 91-12. Ah ouais, bah logiquement t'es pas chez eux, mais t'es quand même sacrément proche. Ouais, ça va être une baraque à gauche, donc si ça arrive, c'est direction. Je pars par les canaux. Hop, tiens, je te donne ça. Et à toute. Déjà, c'est pas pour moi. Moi, si ça arrive, ouais, c'est un... je saute par-dessus et je descends. Après, faut juste pas qu'il faudrait juste pas qu'ils arrivent en face là parce qu'ils me verraient. Faudrait que j'attende qu'ils soient passés pour me barrer.
Ouais, je me dis peut-être plutôt par le jardin des voisins en fait. Plus de chances d'être tranquille qu'ils me voient pas. Des caps, ça va. Allez, go. C'est qui le prochain? Victor, toi. Bah ouais, alors attends, je vous mets le point, vous me dites si ça vous ça vous semble puant ou pas. Ouais, ça pue, hein. Ah, si ça pue trop, on laisse tomber, hein, on va pas prendre de risques. Ouais, je pense que ça pue un peu trop. Ça me paraît vachement trop près de chez Ça eux. me paraît. Attends. Bah tant pis, on prend pas de risque bête là, ce serait con Non, non, de. parce que là, t'es littéralement dans la rue à côté de chez eux, donc. C'est limite un peu comme si nous, t'allais taper. T'allais braquer à côté du tatoueur qui est de l'autre côté de la rue, quoi. Oh, je suis sûr que les Vagos le font. Je les ai déjà vus traîner dans le secteur, donc. Ouais, bon, après, de toute façon, on sait qu'ils ont aucune race. Ils viennent à 6 pour contre une personne, donc. Oui, bah, mais bon. Ils sont nombreux. Allez. Faire un tour au cas où il n'y ait pas de vrai gosse ici parce qu'on a l'habitude à force. Nucléaire, Non, ça m'a l'air good. ouais. Ouais. Un peu de bagnole qui suit. Et bah écoute, hop. Nous, on va derrière et on sort. Ah, le coffre. Garde-toi à gauche là. De toute façon, le coffre, faut que j'aille y mettre le nez.
Pour essayer, hop. Et la pause. Nickel. Du coup, on Je vais voir un ça. passage ici, là devant leur quartier. Juste voir si, si je reconnais un modèle de véhicule ou pas. Enfin, leur quartier. Leur habitat. Voilà, ouais. J'en ai dit leur squat. Parce qu'on leur est... crack house. Littéralement au niveau du squat. Personne. Même devant, t'as personne. Dans le coin, je crois. Ouais, juste là, oui, à droite. Ronnie est parti. Pardon. Il est peut-être dans les chiottes. Eh ben, je suis con, moi j'ai pas cambriolé. Donc ça, on en est avant. Hop. Panem, 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 pam. Ah. Oh putain, miroir park encore. Ouah, je suis pas du tout. Nickel. Putain, quel enfer. Bon, bah du coup, je te mets le mien. Je suis là. Palais Mirror Park. Bah, déjà quand je vois l'endroit où elle se trouve, si jamais les flics arrivent, je pars dans la montagne. Il doit y avoir de quoi faire de la buissonnade. Ça a l'air sacrément raide.
Et à tout de suite. À toute. Bon, en gros, si ça arrive de là-bas, on se casse à droite. En fait, je me dis que je vais peut-être finir par revenir sur une coupe de cheveux basique pour qu'elle se cache automatiquement avec le masque. Ouais. Là, là. Hop. Mais c'est vous le prochain à passer le show normalement. Bah c'est toi. Eh oui. Ah ou ah, sinon je peux aller en reprendre un moi normalement. Ouais, on va aller en prendre un, on va pas aller au nord finalement. Trifle là là. Ah c'est bon, William m'a envoyé chier. Nickel. Bah, du coup, si les flics arrivent, on leur dit qu'on fait un bal pour Halloween, c'est ça? Ah oui, c'est crédible. Bon bah du coup si t'en reprends un, je le reprendrai. Oh putain. Après, en vrai, ouais, j'aurais bien changé la coiffure pour justement le fait comment avec les casquettes et tout, elle se cache, elle va bien, mais ça me ferait chier.
Je suis dans les canaux. Du coup, on fait lequel? Un canot parce qu'il est au nord, lui. Ah. Nickel. Bah tiens, c'est là-bas. Je crois que t'as failli tailler un short, hein, mec. Hein. Et je crois qu'il avait un GPB. Je crois qu'il était légèrement en train de prendre la voiture aussi. J'ai même pas vu. Et il était légèrement vert. Ah, bah nickel. Donc ouais, vert avec un GPB en train de chourer une caisse, normal. Tout va bien. Ouais, ça prépare un truc, je sais pas quoi, mais ils font pas ça pour... Enfin, tu mets pas un GPV pour le plaisir. Ouais. On va savoir, peut-être que dans 2 heures, tu vas voir qu'il y a une banque qui a été tapée. Enfin, qui est en cours. Ou alors, je sais pas, ils ont peut-être... Aïe. Des trucs avec les balasses. T'es en bas, c'est en bas, ouais. Okay, alors fais gaffe ici, hein. Prends bien la gauche. T'inquiète, j'ai noté que tu t'étais bien vautré, ouais. Tout de suite. Bon, bah, s'il y a les flics, c'est par derrière, mais on se casse à travers hein, toute la rangée en plongeant après. Bah nickel, des menottes. Pire truc que je puisse avoir. Où est-ce qu'ils sont? Allez, bah go bien. C'est quoi, ça sent vite, c'était? Non, c'était Yellow. Pas loin, ouais. Hein? De quoi? Mon cambrio. Ah. Du coup, 19 et une paire de menottes.
autant dire que quand j'ai vu les menottes, que je les ai prises, je me suis dit merde, si jamais les flics arrivent, j'ai pas intérêt de me faire choper. Parce qu'entre la récidive et la paire de menottes, je suis sûr qu'ils m'auraient défoncé sur place. Bon, de toute façon, la récidive, le truc chiant, c'est la garde à vue, mais vu que t'en as une d'office avec les menottes. Tant qu'à faire, le meilleur moment pour te faire choper avec des menottes, c'est avec une récidive. Au moins, vous savez que si je me fais toper, ça sert à rien de m'attendre. Après, c'est quoi? C'est 15 minutes, la garde à vue, je pense. Je sais pas. Trop tard. Marc, il faut le stop là derrière. Ouais. Oula, ça pue du cul ça. Puis les buissons ils sont pas terribles. Hein. Ouais bah je commence à avoir l'habitude. Hein. Si tu permets, moi je récupère ça du coup. Alors c'est laquelle Tout de suite. Hop. Bon, vu là on est là, ça sert à rien par contre de sortir sur celle-là. Ouais. Oh putain.
C'est très silencieux en tout cas. Yes. Ah ouais. Ah oui, je te vois. On est passé devant toi, c'est ça? Oui. J'ai levé mes petits bras, mais rien n'y fait. Non. Ton camouflage encore était des parfait. Zip-tails, hein. Ouais, bah c'est bien, on en aura. Putain, il fait encore du stop, le pauvre. Bonjour. Ah, je vous entends pas, vous parlez plus fort. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous allez à Los Santos par hasard? Ouais, mais vous avez pas de... Mais mon vous véhicule, pas, vous pouvez pas appeler de taxi? J'ai pas trop d'argent sur moi, en fait. Voilà. Oh, vas-y, vas-y. Oh, non, bah vas-y, grimpe, allez. Vas-y, monte. Bon, bah merci beaucoup. Tu vas aller où là? Oh, ramenez-moi en ville, après je vais me débrouiller, merci beaucoup, c'est gentil. Pas de problème. T'es en ville depuis longtemps? Je suis arrivé avant-hier soir. Oh. Ah oui, d'accord. T'es pas passé au mairie chercher les tickets qu'ils donnent? Mais hier, ils m'ont dit qu'il y avait un problème d'imprimante et qu'ils en avaient pas, je devais les récupérer aujourd'hui, mais il fallait bien que je bosse, vu que je bosse au BTP, bah, je me suis fait avoir comme ça. Moi. Ah, et tu fais quoi dans la vie, hein, du coup? BTP pour l'instant? Ouais, pour l'instant, je bosse au BTP. Et tu cherches quoi? Comment ça, hein? Tu cherches à faire quoi plus tard? Entreprise, FTO? Ouais, pour l'instant, ah ouais. Pour l'instant, je suis là et puis je verrai où le vent va me porter, quoi. Ça a toujours été plus ou moins comme ça dans ma vie. Ok, ok. On va te déposer en même temps, on va te refiler des numéros en même temps. Et si le vent te porte dans la rue? Eh ben, j'irai dans la rue. Hein. C'est bien, ça me rappellera Dublin, c'est pas mal. Nickel. Vous pouvez me laisser sur Vanwood Boulevard, hein, si vous voulez. Ouais, ou là, c'est très bien. Posé, là. Nickel. Bah, merci beaucoup. Du coup. Ouais. Je vais te refiler mon numéro. Nous, on est les sentinelles. Ok. Donc, on va pouvoir te reprendre tout ce qui est petits sacs, liasses, marchandises volées. Ce que tu peux récupérer en gros dans les magasins, les supérettes ou des distributeurs. Je sais pas si tu en as déjà fait, si tu sais comment le faire. Non, pas encore, non. Pour les distributeurs, c'est pas compliqué. Hein. Tu prends un petit billet de biche, tu le tapes, tu l'ouvres, tu récupères les petits billets dedans et voilà quoi. Ok. Le supérette, si t'es menaçant, ça devrait le faire. Du coup, j'ai refilé mon numéro. Ouais. Donc c'est Jordan. Au 7003. Okay. 10-03. Bah, les autres, je vous laisse donner vos numéros, comme ça au moins il les a. Oui. Ouais, j'ai pas entendu le livre. Ouais, je suis chouette, désolé. Et plus tard, à l'avenir, si tu... Bon, ça c'est bien, on peut même te refiler des trucs à vendre dans la rue. Donc tout ce qui va être dope, etc. Okay. Ben ça va être à voir en fonction de ce que tu nous ramènes. Ok, ok, ça marche. Et du coup, moi, c'est Liv. 74-16. Liv. 74-16. Ok. Et en face, tu as Hector au 62-19. Dès que t'as ça, tu
pourras m'envoyer un message, comme ça j'aurai ton nom. Alors un message avec ton nom du coup. Ouais, bien sûr. Tu m'as dit 72-19, ouais. Ok, ça marche. Et ben c'est enregistré. Daniel Fantôme. Nickel. Du coup, envoie-moi ton nom à Jordan, du coup. Ouais. Ça, je l'ai. Et nickel. Et bah nickel, et bah du coup on espère entrecroiser plus tard. Et bah ça marche, merci beaucoup en tout cas pour le ride. Bon courage. Bonne journée, bon courage. Elle l'écrase pas, ça serait dommage. N'empêche, le mec était quand même motivé à attendre là à faire du stop. Hein. Ouais. Faut dire que traverser du nord au sud sur l'autoroute à pied. Oui, c'est sûr que c'est un peu chaud. C'est compliqué quoi. Et puis quand t'as pas de ticket et que tu viens d'arriver en ville, je te raconte pas la gueule de l'addition taxi. Il aurait meilleur compte de se casser une jambe, d'aller aux EMS et de se faire accompagner gratos. Ouais, après faut pouvoir se la péter la jambe. À part te jeter sous une bagnole, je vois pas trop tes solutions. Ah bah, moi, il y a une fois, j'étais en galère. J'étais dans le nord, pas loin du BCES. Bah, j'ai fait mon appel taxi au BCES. J'ai dit oui, j'ai des incapacités. Et voilà. Le truand. Bah ouais. Attends, j'ai fait une fois le trajet nord-sud. Quand je suis revenu de la prison, pour revenir au quartier, ça m'a coûté 3 000 $. Oh putain. Donc ouais, le ça fait mal au cul. Hein. Mec, c'est eux les truands, pas moi. Hein. Hop, on dépose ça. Et du coup. Bon, bah, il joue plus faire. C'était donc Kyle. O'Brien. Nickel. 52-66. Hop, j'ai mis mes notes à jour. Les objets, ouais. Nickel. Faut que je me rachète des jumelles, moi. Oui, c'est ce que je disais, qu'il fallait que j'achète tout à l'heure aussi. Ça peut servir. Ça peut être utile pour repérer les mecs qui cherchent un moyen de monter sans vouloir monter. Je pense que celui-là, je vais le retenir longtemps. On est trop gentil, hein. On a quand même raccompagné un pélo qui faisait du stop. Hein. Tu parles de Crimi, ouais. Bah ouais, mais tu vois, moi, à chaque fois que j'ai raccompagné un mec qui faisait du stop, au final, il a fini par taffer dans la rue, tu vois, donc... Oui, voilà, c'est peut-être ça, hein. Ah, pour le coup, en vrai, il a eu des couilles hein, pour monter dans une voiture avec 4 oui, mecs masqués. Était tous masqués. Avec 3 mecs, 3 personnes masquées, ouais, c'est. Je t'avoue que j'aurais réfléchi à deux fois, perso. J'aurais au moins demandé si je risquais rien à toi, ça. Ouais, c'est ça, on aurait pu le prendre. Ah bah t'es en otage maintenant. Ouais, c'est ça. Bon, après, il aurait eu du pognon si on se serait fait gauler en soi. Ouais, bah c'est dans. C'est du. Après les canaux sur la plage. Ah, moi c'est les canaux. Ah, bah je suis un peu plus proche au niveau de la Menation. Best Pussy. Nickel. Bon, on te laisse mettre le point ou conduire. Ouais, du coup, conduire.
Mais moi je conduis pas cette merde, je l'ai toujours dit. Ah ouais? Ah oui, non, la Sultan, j'aime pas du tout. D'accord. Je suis trop habitué à la ici, et puis et vu que la Sultan elle chasse du fion comme Jaja. C'est une très bonne caisse même quand tu sais la conduire, mais quand tu sais pas la conduire, c'est dangereux. Ouais, bah ouais, je me doute. Oui, il me faut des voitures à pédale. Une tutu de bolide. Faudrait que j'essaye une moto une fois, j'ai jamais roulé en moto. La oui, BF je me doute. La question c'est combien de fois tu veux finir en ITT? Je me suis déjà tapé une CP avec deux BF au cul, j'ai remarqué que c'était une dinguerie. Et encore, je pense que celles des FDO, elles ont été modifiées. Oui, c'est possible, oui. Vu quand tu vois leur leur stanier là, le truc, c'est un putain de bolide, alors que normalement à la base c'est un veau le machin. Par contre, je me dis, avec les motos des flics, au moins l'avantage c'est que quand ils se plantent, ils font pas comme les SASP, ils repartent pas. Hein. Ah, j'ai eu un message de 7. Ah. Du coup, ouais, bah qu'est-ce qu'on fait? On tente un all-in sur lui? Oh, on finit notre truc, on tente un all-in, on le propose. On lui propose d'en faire en tout cas ce que Sean a dit. Et Pierre, bah, de toute façon, on peut pas le recruter maintenant, ça sera à Sean de le faire donc. Yep, ouais, mais planter la graine quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, t'es par là toi. Je vais me mettre en face sur la station. Putain de coffre à la con. Putain de coffre à la con. Ferme-toi. Pas possible. Ou ça va être pour lui. On a appelé Luc ou pas du tout? Par contre, des masques tôt au cas où. Ouais, j'allais te dire la même chose. Putain, c'est même pas pour lui. Pas. Non, je pense que c'est pour lui. Il devait être juste de l'autre côté du bâtiment, donc ils ont fait le tour. Ah ouais. Pas que. Bon, non, pas du bah coup, non, même pas. Ouais, pas masque. Moi, je pense qu'il a cancel lui. Bon, c'est ce que j'aurais fait en tout cas. Bah, je t'assure que j'aurais fait la même. Tac. Ouais, je lui ai dit qu'on avait à lui causer d'ici 10 minutes. Donc il est dispo. Ok. T'essayes de voir un Luc? Du coup, bon. Bah le truc c'est que moi Luc je le connais pas du tout, donc je me vois mal aller lui parler d'un truc, enfin de lui proposer quoi que ce soit alors que je sais même pas qui c'est en vrai. Je crois que je l'ai vu une fois. Ouais, Luc non, moi je suis pas chaud hein, parce que autant le 7 c'est un bosseur, ouais. Il venait toujours nous voir nous et tout donc... Oui autant il l'a pas vu. De toute façon ces derniers temps... Bah, on n'a pas vu grand chose. Hein. C'est ça qui me fume en fait, c'est qu'on a croisé v'là les mecs, on a filé v'là les numéros, mais putain, il n'y a personne qui vient. À part 7 qui fait le boulot c'est... de 50 mecs en même temps. Je sais pas ce qui se passe, on pue de la gueule ou... On n'a pas de bol, regarde-moi. Il y en a bien où j'ai pas eu de nouvelles. Hein. Ouais, non, mais ça me... Putain, ça me fume. Par contre, moi, j'aurais kiffé quand j'étais PM avoir des gens comme ça dispo et tout. Moi, c'était toujours une galère. Et zou. Non, moi, je suis juste à côté, je suis là.
Ok. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé, voisin de Jen ? Quels sont tes prix pour les petits sacs ? Tac, tac, tac. Bon, pas de vagos en vue. Ouais, juste à gauche, là. Pour les prix, en gros, on te les donne à la première rencontre, en gros. C'est comme ça qu'on marche, c'est comme ça que beaucoup de groupes marchent. Après, pour le coup, les petits sacs. Vas-y, du coup, je recule dans la rue derrière. Maintenant, mais les petits sacs, c'est pas non plus les meilleurs prix. On est sur du 60 le petit sac. Nous, notre domaine, c'est plutôt la marchandise. On est à 80. T'as de la marchandise, on reprend. Ok. On fait dans la sécurisation. Comme ça, moi, l'avantage, c'est que si on voit quelqu'un qui va les toper, on peut toujours foncer pour aller le... pour aller faire un contre-braco. T'arrives sur les mecs et tu gueules contre nous. Go. Attends, je sors mon œuf. Merde. Elle aime bien mettre des coups de porte. Ouais, j'ai fait la même avec toi hier. Des coups de taser, des coups de porte. Ouais, le taser, tu l'avais mérité. C'est faux. C'est pas moi qui me suis gaufré en parachute. Ouais, mais c'est toi qui te foutais de ma gueule pendant X temps. Bah oui, mais évidemment. C'est une conséquence du sang en parachute, écoute, hein, c'est comme ça que ça marche. Faut assumer ses erreurs. Hein. Mm-hmm. Regarde-moi, quand à l'époque, ils m'ont roulé dessus avec le Granger parce que je suis descendu avant qu'on me dise pied à terre. Ouais. Tu crois qu'ils ont fait preuve de compassion, les mecs, après Pas du tout. Du coup, ça va être dans la zone à gauche. Hein. Dans la zone. Donc, si ça arrive, je sais pas par où je me casse. Ah, bah, t'improvises, hein. Écoute. Allez. Je risque de partir plus vers le. Part dans les rues. Vers le parking, le ouais. Ouais, vers le parking public plus haut. Parce que la plage, c'est le plan cul. Oui. À toute. Le truc, c'est que là, je sais pas si en sautant je passe ou si je m'éclate.
putain, j'ai le cœur, il bat à 200. Oh putain. Yes. Ouais, c'est bon, ils sont cassés. Ouais, ouais. Ah putain. Attends, je redescends de mon toit, tu peux m'attendre là. Arrête-toi. Oh, le stress à mort. Parce qu'en fait, au début, j'ai commencé à partir dans la ruelle, j'ai entendu qu'ils avaient fait marche arrière, qu'ils commençaient à revenir vers l'endroit où ils pouvaient rentrer. Donc j'ai fait demi-tour, j'ai vu un conteneur, je suis monté dessus, j'ai réussi à atteindre le toit. Et du coup, je me suis planqué sur le toit tranquille. Oh. J'avoue que j'étais pas sereine là. Du coup, on pose et puis on va voir 7. Ok. Ok. Ouais, et puis en plus au début quand j'ai commencé c'était en haut de l'escalier donc je savais pas si en descendant direct d'en haut j'allais m'éclater en bas ou pas. Donc je suis un peu descendu de l'escalier avant de sauter là en bas. J'avais vraiment tout contre moi à la base. Par contre, seulement 5. Ouais, bah écoute. Mais bon, vaut mieux ça qu'une récidive. Je te laisse mettre à jour. T'as par contre le fait de m'être étalé, en fait, c'était pas mon idée de base. À la base, j'ai voulu utiliser le truc de plomb pour se planquer. Mais c'était peut-être pas plus mal de m'étaler. Le spot préféré des Aztecas.
Dis-moi, Makia, ça s'est senti que c'était la panique à bord quand même? Tu lui as dû venir pour parler ou est-ce qu'il se fournissait avant? Il lui a dit qu'il avait proposé. il voulait qu'on cause. Parce qu'au final, les prix de la coke, je sais toujours pas si on est d'accord là-dessus ou pas. Ouais, c'est que c'est pas fou, quoi. Bah ouais. C'est bien ça le problème. Olaf, on a eu des nouvelles avec son pote Naoki? Il est venu deux fois, d'après la compta. Une fois pour amener des marchandises volées, évidemment, parce que c'est ce qui rapporte le plus. Et une fois pour blanchir, c'est tout. Ouais. Et l'autre, Naoki. Bah, il bosse avec Olaf, donc techniquement. Non mais c'est... Vraiment, c'était pas... La panique totale, quoi. Ah putain. On l'avait dit de toute façon que cette zone, c'était le plan cul, mais bon. Maintenant que je sais qu'il y a ce chemin pour monter, je te prie dire que ça va être ma zone pour monter à chaque fois. Hein. Encore et toujours la panto. C'est pas simple. Hey yo. Yo. Hey yo. Par contre, n'hésite pas à parler normalement. Pas fort, mais tranquille. Mais t'inquiète, c'est bon. Pourquoi? Alors déjà, j'aimerais avoir ton ressenti. Sur ce que tu comptes faire à l'avenir, du coup. On avait parlé, je crois que. On t'avait déjà posé la question si tu souhaitais rejoindre. Une famille. Ouais, vous m'avez demandé, grosso modo, comment je voyais un peu l'avenir, ouais. Et comme je vous avais dit, pas forcément vu à long terme. Ouais, je suis bien arrivé, j'ai encore ma panto. Je connais pas encore hyper bien la ville. Et en fait, j'avais pas encore réfléchi très très loin, on va dire. En vrai, on va pas se mentir que rejoindre un groupe solide et tout pourrait m'intéresser, quoi. Clairement, arrêter d'être tout seul. Donc, ouais, je pense que à l'avenir, rejoindre un groupe solide. Ça fait partie de mes plans, ouais. Ok. Ok. Je vais être honnête, hein, je te le dis. Nous, on cherche du monde actuellement. Ouais. Parce que, comme moi, quand je suis arrivé chez les Sentinelles, ça allait bouger. Ça a bougé. Je sais pas si tu en as entendu parler, mais bref, ça a bougé. Là, ça risque de bouger encore prochainement. Ouais. Donc, on va avoir besoin de monde. Tu taffes bien. Tu rapportes bien. On te fait plutôt confiance sur tout ça.
Du coup, nous, on aurait une proposition à te faire, excuse-moi. Ouais. À toi d'y réfléchir. On te laisse pas d'heure. Hein. Tu me dis, si tu veux réfléchir un jour, tu y réfléchis un jour. Juste dès que tu as la réponse, tu nous rappelles. Ouais. Voilà, voilà. Ok. Bah du coup ouais hein, je vais réfléchir, c'est, faut pas le prendre comme une manque de respect hein. C'est vraiment oui, juste hein, c'est normal, c'est normal. Voilà, je suis arrivé il y a deux jours, je suis encore en ponto tu vois, donc ça va vite on va dire, tu vois. Donc ouais, voir un peu hein. Et mais en tout ouais, cas en tout cas tranquille, merci pour la proposition, ça fait plaisir de voir la confiance. En vrai ouais. Mais ouais je vais réfléchir ça sérieusement. Oui, on va réfléchir. Non. Moi, c'est pareil. Honnêtement, ça s'est passé exactement de la même manière pour moi. J'ai pris une bonne journée pour réfléchir. Au final, bah, je suis là, quoi. Donc voilà. Et bah, juste... ouais, ça marche. Et juste quoi, moi qui ai pas mis 50 ans à réfléchir. Bon, bah, ouais, clair, ça va bouger parce que on a récupéré un business il n'y a pas très longtemps. Donc, on cherche des gens solides pour le faire tourner avec nous. Et le problème, c'est que quand tu récupères un business, évidemment, tu attises l'envie des petits groupes à côté qui, eux, n'en ont pas. Oui, bien sûr, hein, faut se débarrer, faut se défendre et tout. Ouais. Donc, okay. on a l'armement, on a ce qu'il faut. Maintenant, ce qu'il nous faut en bonus, c'est des mecs solides. Des mecs motivés, qui en veulent, qui veulent bosser, évidemment, parce que le cœur du business, c'est de bosser, hein. Nous, en l'occurrence, on fait du cambrio. On va pas y aller par quatre chemins. Est-ce que c'était votre bise du coup, savoir si là, c'est du cambrio. Donc, ça va pas te dépayser, hein, techniquement. La différence avec les dabs, c'est qu'au moins, t'as pas le problème qu'ils sont vides. Ouais, ok. Non, mais ouais, ok. Non, mais ok, ça marche. Je vais réfléchir à... Donc, te sens pas forcé, c'est vraiment juste une proposition. Si tu préfères continuer à bosser dans ton coin, machin, on te prendra pas mal. Y'a pas de problème là-dessus. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ouais, non, mais voilà, ça va vite. Après, pareil, je vous le dis, parce que bah, vous voyez que je bosse bien. Et être honnête, hein, je vous ramène pas tout à vous, hein, ok. C'est-à-dire que bah, oui, je bosse ça, plus normal. Que vous, ouais, vous voyez. Non, mais ouais. Faire toujours être honnête avec les gars avec qui ouais, je bosse. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Mais on cherche juste des mecs motivés, que tu sois motivé, que tu ramènes à droite, à gauche, on s'en fout. On a tous fait pareil, on a tous été PM. Okay. On va là où ça paye le plus, hein. Il n'y a pas de question à se poser. C'est moi qui paye le plus, mais en tout cas, après, juste pour que vous sachiez aussi, du coup, je préfère être honnête aussi, j'ai un caractère d'avis de... d'institution. Tout ce que mairie, gouv, tous ces connards là, mon comportement il est un peu compliqué quoi. Voilà, comme ça vous. Si, disons que. Oui. Sachez que. Ah, y a pas de souci, hein. Enfin, quand moi je cherche mes mots. Et je sais me retenir, je ferai pas de bordel dans mon groupe, d'accord. Le but c'est, je rejoins un groupe, c'est pas de le mettre dans la merde. Ouais, bah après, c'est un pour une info. Faut pas me casser les couilles quoi. Pour donc, le moment, les infos couilles, qu'on lui a données, va... c'est pas des infos qui sont confidentielles. Voilà. On sait, vous le tout le monde est au courant. Je suis maintenant. Un peu chaud avec t'inquiète eux, pas, on soulève des mecs aussi. Hein. Ouais, non mais voilà. Ouais, mais je sais pas, vous savez, comme on se connaît pas, je préfère pas le dire, tu vois. Je préfère être honnête. Enfin, si vous auriez pu, comme on se connaît pas trop, vous auriez pu être un groupe qui veut pas trop de soucis avec la police. Et moi, s'il y a un flic qui me fait chier, bah ça m'en gêne quoi, je m'en fous. Donc voilà. Vous savez un peu, vous voulez retirer l'offre quoi, ça pourrait trop poser problème, vous voyez ce que je veux dire. Non mais si je trouve quelqu'un pour venir décapiter Bilups avec moi. Alors lui je le connais pas, et encore en vrai moi je vais être honnête, là les flics j'ai pas eu trop de soucis. Il y a juste un qui m'a tasé là, pas une advertance, il a vite fait de retirer la main qu'il voulait me mettre du coup. Et j'ai pas eu trop de problèmes, mais je connais mon caractère quoi. Donc voilà, je voulais juste vous le dire, être clair, comme ça... Vous savez à qui vous proposez quoi, vous voyez ce que je veux dire. Non, ça c'est pas un problème, c'est les flics, c'est pas nos potes. Hein. Ok, bah nickel. Mais pour te dire, son Bilups là, pour toi les flics c'est des connards, bah lui c'est son super connard.
Est-ce que c'est celui qui a C'est la ce que j'ai tête? compris ouais, de l'histoire de la dernière fois, ouais. Mais je l'ai pas, j'ai pas encore croisé. Oui, vous m'aviez dit là, et ça, chapeau. tu feras gaffe, t'as dit? Nickel. Et les petites rougeurs. Mais je vais Mais réfléchir à nickel. tout ça, et je vous dis. Il va pas de problème. Je vous dis pas aujourd'hui, sans un jour ou demain, voilà quoi, Ah, assez réfléchis, rapidement quoi. réfléchis, y a pas de problème. Ça marche. Bah nickel, Ça bah marche, du ça coup bonne marche. journée à toi. Ouais, j'ai. Alors, du coup, si Ouais, vous voulez, là, j'ai vas-y. du matos. C'est vrai que j'aurais pu vous le dire par message avant, mais Vas-y, je note. je viens de me lever. Si vous voulez, j'ai 226 liasses. Ok. Et hier, vous m'avez envoyé un message pour fournir en coco. En coco, ouais, c'est bon, c'est un peu. Disant que apparemment ça allait augmenter les prix, mais Alors les prix meilleure sont qualité. augmentés, mais c'est de la meilleure qualité, donc tu la revendras plus cher aussi. D'accord, donc c'est de la cocaïne, mais genre moins quoi, en gros. J'achète plus cher, je la revends plus cher, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est ça c'est en fait. ça. Elle se vend 500 dollars au lieu de 400 dans la rue. D'accord. Ok. Ok. Est-ce que si ça vous va? J'ai les liasses à vous donner. Après, moi je vais aller m'acheter une voiture là et commencer. J'ai un peu en délai de fuite donc je vais aller m'amuser à ça. Je vais prendre, je reviens rechercher la coke. Ouais, bah pas de soucis, honnêtement, pas fait comme tu veux. On perd de la coke sur une CEP où je me fais arrêter quand même. Mais ça serait con. Donc je vais pas aller faire mon bordel avant. Et ok. Pas de problème. Bah, du coup, tac tac tac, on te renverra une pause dans pas longtemps pour les 226 liasses. Ouais, allez, ça marche. Bon, après, ça marche, on fait ça. Non, je vous fais confiance. Hein. Je vous les file maintenant et vous me donnez le fric après. Ah, tu les as sur toi là? Hein. Ouais, elles sont sur moi, la Vous voiture avez et tout. combien en cash les deux? 2004. Attends, j'ai 3002. 3000, 2000, on a assez normalement. Tiens, je vais te passer 2000. Ah, j'aurais C'est pu vous prévenir avant. 7910. Merde. Ah! Je m'en mêle des pinceaux! C'est bon, c'est ouvert. Putain, comme je verrouille tout le temps par habitude. T'as ce qu'il faut là? Non. J'en ai 26 sur moi, T'as je roule combien? comme ça. Il manque 700 dollars. Tac. Bizarrement, je connais ce réflexe aussi. Ah, tiens, je te donne absolument tout. On ne doit pas manquer grand-chose là. Non, il manque pas grand-chose, mais il manque toujours. On est trop pauvre. Il manque combien? Allez, Euh, mets les 76 dans le coffre. 200... 200 dollars. Ouais, vas-y, pose. On récup Ah, comme bah ça. il les a vus direct. Bon, bah voilà. Perçu 200 dollars. Nickel. Donc Yes. 7710. Yep. Tac. Et du coup, j'ai les Allez, dernières nickel. liasses dans les poches. T'as combien? J'en ai 76. Eh bah nickel. On est good. Eh ben nickel. Bon, bah je vais aller m'acheter ma voiture et voir ce que ça donne. Eh bah pas de problème. Mais t'as Bah oui, acheté je vous dis quoi à du tout à coup? l'heure du coup. Eh Allez. bah tout à l'heure. Yes, bon courage. Oh le vent. Le vent que j'ai pris. J'ai pas entendu. Je lui ai demandé Oui, moi qu'est-ce non qu'il plus. achetait comme bagnole du coup, mais ouais. Ah bah y a une club hein, je pense. Oui, il y en a, Ouais, je je pense que c'est pas pense. 5 clubs, mais il avait dit une club. Ils s'en bat les couilles. Oula. On va passer une banque parce que je crois qu'on a tous Ah bah rien. là, j'ai Zéro. 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 Moi j'ai 20 dollars. Nickel. Hop, les gars, c'était chez moi, je Allez. crois, non? Ouais. On rename, on s'appelle le groupe des clodos. Alors, c'est ça que ça va être compliqué. Hop là. C'est pas du tout ici chez moi. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Le mec, il sait même plus où il habite. Ah, j'ai juste confondu les maisons.
226 lavés, donc moins 7910. Quand même con parce que Nao il aurait pas eu toutes ces merdes là, il aurait continué à bosser nickel, il aurait pu rejoindre. Mais bon. D'accord, il est sur le toit. Allez, allons faire un retrait. Vous avez pris un boulot là? Non, on va retirer déjà. On va retirer, après moi je ferai juste une petite pause il y a 5 minutes. Ok. Après je m'en vais. Faut en profiter pour acheter des jumelles du coup. Ouais, moi je te suivrai. J'ai combien en caisse noire? 25 000, je vais retirer 2000. Est-ce que place du cube est pleine? Allons voir ça. Alors pleine non. L'espoir fait vivre. Pleine, mais je... Ça déjà c'est sûr que non. Nickel. Alors il est comme des pros. T'es moi qui vais. Je t'en tire la dehors. Bah t'as plus de chance sur l'ATM honnêtement que... Yes! J'y ai cru, mais non. On a bien fait de taper les ATM. Paf, allez, 2500 ça sort. Ah mais les ATM sont plus remplis que la banque, ça c'est dingue. Bah parce que ceux-là ah, personne n'ose jamais les faire. Devant le zombie c'est pareil, les ATM ils sont tout le temps pleins alors que la banque est vide. C'est des ATM qui sont tellement cramés que les gens n'osent pas les taper. Pour une fois qu'on retire dans un ATM. Personne n'a de couilles. Hein. Tiens. Je pense savoir à qui elle est cette bagnole. N'empêche, ça. Ça fait bizarre de retirer dans l'ATM normalement. Oui, bah oui. Ouais. T'as toujours cette envie de faire un... de taper. Tu peux t'arrêter à la sub, s'il te plaît, je vais prendre mes joues mal. Ouais, ouais, tiens. Mais paf. Attends, là c'est mais pareil. Promis, je t'achète, je te braque pas. Ouais, des zoomels. Comme ça on pourra regarder. Parce que le téléphone c'est bien gentil mais bon. Oui. En tout cas, moi je trouve. Ou quoi que non, c'est peut-être un drogueur ça. Nickel. Ah bah du coup à tout à l'heure. Enfin à tout à l'heure. Ok. Ouais. T'as une affiche publicitaire rose, ça me trigger à chaque fois. Trigger par une affiche publicitaire, nickel.
Par contre, j'ai l'arbre qui me cache la vue de l'autre creek. Et enfin, l'accident est vite arrivé ici. Ouais, ouais. Aïe. Et voilà. Je me confirme, ouais. J'ai rien vu de spécial, hein. Oh non, moi non plus. Faut qu'on en prenne un peu plus. Ici, il m'en fallait à bouffer à boire. Hop. Est toujours là-haut? Non. Attention. Je veux bien que tu me mettes ça. Aïe, 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 aïe.
Allez, je suis tombé sur la tête en me cassant la gueule de ce parasol de merde. Je pensais que je pouvais monter dessus, mais finalement, oui et non. Tu peux, mais mais tu te généralement casses t'as la un peu gueule. trop d'élan, quoi. Voilà. Du coup, bah, l'élan a fait que j'ai trébuché et que je suis Moi, la tombé comme dernière une fois que merde. j'ai tenté de passer du bus au parasol, et j'ai fait hi, et là, paf. Et là, t'as l'air d'un con. Ça va que j'étais tout seul, personne n'a pu voir. Ouais. Je l'ai entendu très longtemps, la moto, là. Ouais, les motos, ils vont à 2 à l'heure. Hein. Ouais, contrairement à Ron. Ouais, bah alors eux, vraiment des psychopathes, les mecs, quoi. Avec Ronnie qui arrête pas de les insulter d'assassins, enfin de Ah ouais, terroristes. non, mais c'est des terroristes, les mecs, c'est vrai, hein. La moitié du temps, quand il y a une station qui explose, c'est à cause d'eux, hein. Quand même la sécure. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Ah ouais. Nickel. Putain, ce serait presque tonton. Ah. Ouais. D'accord. Le truc est fou là, 150 quoi. Ça aurait pu être tentant. Tu vois quelque chose du coup? C'est le calme plat. Le calme, j'aime pas ça non plus. Bah, tu vas me dire, je suis sûrement en train de psychoter, mais quand même. Oui, bon après, au revoir.
toute façon, même s'ils prévoient d'attaquer, je pense pas qu'ils vont faire ça. Ils vont y aller du jour en... comme ça. Le jour même. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Les Mads, ils en sont parfaitement capables. Oui, quoi que remarque, c'est vrai qu'ils sont cons. Ils sont totalement imprévisibles, ces mecs-là, donc... Et les gris, les gris en vrai... C'est des chiffres. Je sais pas. Bah ouais, justement, c'est ça qui me fait que je m'inquiète pas trop. Je regarde la dernière fois avec le Granger, ils auraient pu me braquer, ils l'ont pas fait, alors qu'ils étaient une dizaine autour de moi. Ce qui est d'ailleurs assez comique de voir qu'ils étaient une dizaine et qu'ils avaient pas de quartier. Ouais. Ah bah, je sais pas, leur groupe il existe depuis, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça. Avec Sentinelle, le groupe a été créé en juin. Donc... Je crois qu'il y a un truc bizarre là sur le toit du QG là. J'aime pas ça. Attends, je sors mon œuf. Vas-y, on va tirer dessus, ouais. Là, je peux lui mettre une jolie tête. Ouais, mais bon. C'est quand même con de se tirer dessus. Je vais pisser vite fait et j'arrive. Nickel. Ouais, du coup, pour tous ceux qui sont arrivés, pour qu'on regarde, bah, simplement, déjà, on a vu un flic qui était en train de rôder hier. On voit très souvent une bagnole grise faire un petit tour vite fait, ralentir au pont où on est. Et à côté de ça, on a vu une bagnole des Muds qui traînait dans la montagne à côté. Donc, on fait un petit check quand même. Histoire d'être sûr. Même si bon, les flics, on s'inquiète pas trop hein, quand on voit le niveau de stupidité des mecs. Je cherche un moyen d'accéder au toit, mais je veux pas monter. Ouf. C'est après de toute façon, peu importe. Hein. Ouais. Non mais c'est le niveau de stupidité du gars était quand même assez violent là. Concrètement, le flic, quand on l'a topé, il était juste à côté du conteneur là, avec un 4x4 orange fluo bien pétant, habillé en costard. Donc, tu m'excuses, mais tu vois un mec qui traîne à cet endroit là, à côté d'un quartier de gang, tu te poses des questions quand même. Je veux pas être méchante, mais il y a un moment, faut quand même réfléchir un minimum. Je veux bien qu'il y ait l'expression plus c'est gros, plus ça passe, mais il y a une limite, hein.
Du coup, on attend que le dernier revienne et je pense qu'on va bouger. Nickel. Il sort au moment où l'autre est redescendu. Tu penseras à te remettre en présent. Bosser bah, on peut. Pas comme si on avait trop grand chose à faire d'autre. Ouais, disons qu'il y en a beaucoup qui roupichent à l'heure actuelle, donc ouais, c'est ouais. Je suis derrière la cible, c'est où là? Et bah dans les canaux. Bah, je suis... Ok, tu changes de caisse, d'accord. Non mais vraiment. Ouais, pour le plaisir. Putain. Du coup, les flics, ils vont avoir une alerte de vol de véhicule ici. Bon, vas-y, go. Putain. Mais tu comptes vraiment y aller avec ta poubelle là? En vrai, j'y vais, je la laisse là-bas. Hein. Et du coup, on va où? Ah, vous allez à laquelle là? Bah, je sais pas. Le plus proche. Victor, t'es moi, je suis garage public proche Vinewood. Bah, go à la mienne du coup, 80-74. Pile sur l'île. 74. Au-dessus du boulevard de Vespucci. Ah, aussi du boulevard, du mot Vespucci. Ah, ouais, c'est bon, il m'a mis le point. Nickel. Allez, go. Mais c'est là où il y a mes 4 dubs que je tapais souvent, je crois. Putain, mais vraiment, il pouvait pas s'en empêcher. Je sais pas. Il a une ici sport à disposition et il préfère prendre la petite merde là. Il dit ce sera plus discret le mec qui fait des bonds de lièvre là sur la route. Ça je te jure ça me donne juste envie de le pit. Hein. Allez roule avec ta merde. Et j'ai 6. Il faut qu'il pose son œuf. On va aller dans le parking qui est de l'autre côté de la rue en face. Là. Ok. Ouais, on a zéro visu là sur lui. Et sur les alentours. Ouais. Pas de quel côté il braque en fait. Bah de ce que j'ai compris, c'était de ce côté, ouais. Je peux aller me refoutre au pire sur le parking qu'il y avait de l'autre bah, côté. C'est, ouais. Ouais, c'est surtout pour savoir s'il y a une voiture qui arrive. Pas qu'il se fasse soulever gratos. Bah après le problème c'est que si la caisse arrive d'un côté ou d'un autre t'es quand même un peu baisé.
Parce que là, c'est la même, on voit rien. Je sais pas en fait où est-ce qu'il braque. Il faudrait qu'on, ait... qu'on soit du côté où il braque. Parce que, en gros, c'est si les Vagos d'un coup débarquent, c'est qu'ils auront un cambrio au même endroit que lui. Et là, c'est pas sur l'escalier là. Bah non, sur l'échelle, je le vois pas. Là, peut-être à gauche. Il doit être dans le. Ouais, ça doit être dans le petit espace là, je pense. Bon, tourne sinon juste. Garde pour l'ouverture si tu le vois. Ouais, je vois pas. Je pense qu'il est à l'intérieur, ouais. Bon, les probabilités sont faibles, hein, mais... Vu que c'est quand même déjà arrivé deux fois. Oui, bah oui. C'est bien pour ça qu'on tourne, qu'on est dans le coin avec les neufs à chaque fois. Aller au mien, il est juste en face. De ce que je vois, ça va être la baraque jaune ou celle d'à côté. Ok. Je vais vous laisser là. Juste devant le PDP, tout va bien. Ouais, bah là de toute façon, c'est... Putain, mais Ouais. Là, clairement, j'ai nulle part où me barrer. Donc c'est soit j'arrive à passer de l'autre côté de la rue avant qu'ils arrivent. Soit je suis baisé dans tous les cas. Et bien sûr, les manettes. Là, ouais, j'ai vraiment pas le choix. Si les flics arrivent, faut que je parte par devant et que.
et que j'arrive à me barrer avant qu'il soit là. Visiblement, c'est bon. Il y a les flics juste devant. Bon, ça, ils sont... Ils font le plein, nous on était juste là, on est descendu, on n'a rien fait. Oui, oui, mais c'est la SASP, ils te voient avec un masque, ils sont capables de venir nous casser les couilles. Oui. Même sans masque, ils sont capables de venir nous casser les couilles. Ou le bus. On s'est fait interpeller parce qu'on était garé sur un parking le jour. Oui, c'est vrai que, ouais. Il faut que celle-là. Vous êtes sur un parking, vous êtes suspect. Oui, c'est un simple contrôle d'identité aléatoire, oui, bien sûr. Par contre, là, s'ils arrivaient et qu'ils me chopaient, j'avais les menottes, le toaster, les 18 objets. J'ai chopé un câble et un circuit au passage. Ça a été le jackpot, celle-là. Bisous. Je vais me mettre à la baraque à gauche, sur notre droite. Yes. Ce sera très bien ici. Raté. Mais décidément... Suivant. Quoique, bah non, on a tous fait. Ouais, on a tous fait. Nickel. Retour maison. Pum 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 pum.
Merci pour le follow King Dark et merci Sissi Romy aussi. Oh putain. Pas passé loin. Alors tu recommences, je t'en colle un moi. Ça va, je t'ai pas touché. Pas touché. Hein. Hey, tension, je t'ai à l'œil. Après c'est ta faute, hein. Tu m'as un peu poussé. Ah bah tiens, nickel. Ok, ça, on en est à 21. Ça, je check le tout un peu. Là, je fais bien parce qu'on était plus à jour. Les câbles, on a bien les 20. Non, 21. T'as mis les circuits à jour? Hop là, ouais. Nickel. Yeah. J'ai pas envie. Je veux pas. Dans le nord. Non. Mais les bâtiments à la con à côté du PDP où j'ai sauté en parachute. Ah, putain. Je veux pas. Moi je suis à. Ah merde, comment ça s'appelle là? Putain de fauteuil. Hey, putain de fauteuil. Bah du coup on fera pas le mieux en premier, des chances qu'on les voit débarquer les autres. T'as dit Sandy toi? Allô? De qui ça? Moi je suis sur la grette perso. Sur la grette? Oui, puis je crois que Mister est à Sandy donc... Il a fait pouf ou... Bah non il est toujours là, toi? Oui quoi moi? On te demande où est-ce que t'es. J'ai dit Sandy, ah, Sandy Shore. C'est bien ce qui me semblait. Bah vas-y, mets ton point de grit. Hein. Tu veux qu'on y aille à Sandy du coup ou pas? Comme tu veux. Bah, écoute, on fait le sien, on revient sur le mien et après on part là-bas. Voilà. J'ai raté la sortie. Ouais, si on allait hop, on fonce là-bas. Donc, comme ça, après, bah, du mien, si on part sur Sandy, on pourra monter direct à LSES et prendre l'autoroute derrière. Merci pour le follow, El Spawnman. Bienvenue à toi. Merde. J'ai oublié le radar. C'est celle-là? Oui. Comme, écoute.
Hop. Bon chance. On se carre un peu plus tôt. De toute façon, on peut voir assez bien d'ici. Cinq bénis, rien à foutre. Ouais, du coup, on va aller à la tienne direct après. Ouais, ok. Oui, on est déjà pas mal avancé, donc autant y aller, puis on verra après pour moi. Parce que je t'avoue que le PDP, ça me fait un peu chier. Surtout si t'as les autres connards qui viennent sans giro encore. Ouais. En plus, j'ai jusqu'à 22 hein, la récidive là-dessus, donc. C'est très rouge ces feux. J'ai une position. Ok. Il a buissonnadé. Non, même pas. J'étais contre le muret. D'accord. Allez, vas-y. Mets le tien à Sandy. Aurais-tu eu peur de du terroriste? Faut pas avoir peur comme ça, voyons.
Il faut que je m'arrête à l'essence, quoi. Nickel, ça check les bidons. Ça le remplit surtout, j'ai rempli la caisse avant. Allez, zou. Oh, ça sent le plongeon vu l'endroit. Ouais, ça. Oui, il a quand même la rue à traverser. Ah bah. C'est un mec du BTP. Ah bon? Ouais, c'est pour le BTP, en fait tu te gares au parking public là-bas et après tu remontes à pied jusqu'au BTP qui est en face de nous à peu près. Oh putain, quel enfer. À toutes. Bon, écoute, on va se garer là. Ouais bah voilà, t'as un champ dégagé. Y'a le truc bien avec Sandy, c'est qu'il y a tellement rien. C'est un peu ça, ouais. Mais ouais, en fait, le BTP, ouais, tu te mets au parking là et après tu prends ton taf en 34. Enfin, tu récupères le véhicule là-bas. Tiens, il y a un logement disponible ici. Ouais, c'est si rare. Il fut un temps où ça m'aurait intéressé. Mais plus maintenant. Habiter dans le nord, c'est spécial quand même, je pense. Ouais, bon après, c'était surtout dans l'idée d'avoir un truc pas trop cher. Donc c'était soit je me trouvais un truc à 100 000 dans le sud, ou soit je venais choper une caravane dans le nord. Ouais, mais enfin, quand tu bosses dans la rue, ça doit être casse-couille d'habiter dans le nord. C'était obligé à chaque fois de remonter pour aller stocker ton bazar. Oui. Flemme. Ouais. Bon, après, moi, j'avais pas choisi le camp le plus discret en face du Weasel aussi. Oh, c'est pratique. T'es au milieu de tout. Oui. Moi, j'habitais, bah, je t'avais dit, un Ginger Street. Franchement, c'était top. Il y avait plein d'ATM autour, plein de boutiques. Il y avait vraiment de quoi faire. Ouais, si après, tu te tapes les boutiques à pied en mode j'en ai rien à foutre si je me fais choper. Bah ouais, au début c'était ça. Hein. T'as peur. On est reparti. Bon, bah on va voir si jamais le mien ça passe, j'irai le faire. Et puis... J'ai un doute sur le fait qu'il y avait un radar. En vrai... Par là.
En vrai, on est pas loin du quart d'heure, je pense. Là, ça risque d'être compliqué. Ouais, je pense aussi. Et bon, de toute façon, le risque là-bas est quand même assez élevé. Alors, bah, sauf si t'arrives à arriver au PDP en une minute, ça va être compliqué, ouais. Ah, t'avais lancé le chrono ? Non, mais j'ai l'heure en tête. Ouais, bah, c'est mort, hein. Même en roulant à pleine balle, je pense pas que ce soit faisable. Là. Ah bah voilà, c'est trop tard. Yep. Bon, au moins les deux qu'on a fait, ils sont bien passés, donc c'est l'important. Oui, si je passe là, ça passe. Olé. Nickel. On pourrait presque croire que c'était fait exprès. Et je t'avoue que c'est pas fait exprès. J'en reviens vite fait. Désolé, micro pause. Je suis dans les villes là. Ok. D'accord, au motel. Et moi je suis là. Eh ben super. Ton œuf. Ah bah. Alors attends, que je vois où il est exactement. Oh, ça pue du cul. Ça, c'est pas fou, c'est pas fou effectivement. Ah ouais, ça pue, ouais. Bah ouais, tu pourrais limite reculer un peu plus encore. Pff, en vrai. Ça me semble les couilles.
Il serait capable de dire vous êtes mal garé. Alors, tu sais quoi? On va se mettre dans le sens de la marche. Voilà, à moitié sur le trottoir. Voilà, voilà, comme ça. Là, c'est nickel. S'ils me font le coup de la bande rouge, bah, les envoient chez l'ophtalmo direct. Derrière. Oui, non, mais continue. Des fois, tu sais, ils disent oh, la bande rouge, machin, puis tu déplaces la voiture et tu dis mais quelle bande rouge? On est arrivé, ça, déjà. Et par contre, là, en fait, si t'entends les flics, faut que tu sautes par-dessus la rambarde et que tu te barres, t'essaies de te barrer de l'autre côté, quoi. Là, à mon avis, il fait un plat. Il y a des chances. Un facepalm direct. Bah, il va faire comme moi hier, quoi. J'ai sauté par-dessus la rambarde. Mauvaise idée. Ouais, mais toi, hier, hein, t'étais au deuxième en même temps. Bah oui, mais lui aussi, là, techniquement, ah, là, au premier. Je pense que... Ouais, mais hier, pour moi, le deuxième, c'était un petit deuxième, tu vois. Mm-hmm. Alors que lui, c'est un gros premier. Comment ça joue sur les trucs? Bah regarde, techniquement, l'escalier pour y accéder, je dirais que la première partie, il fait un étage, et la deuxième, un deuxième. Ouais, ouais, c'est bon, il a fini. Du coup, t'es où, toi? Villa. Ok. Bah, je te mets mon point, comme ça, tu vois lequel des deux est le mieux. Yep. Je crois que c'est le mien, le mieux. Ok. Du coup, perso, ce sera ma dernière pour aujourd'hui. Et ce soir, je suis pas là. Ok. Ok, Hector et toi, pas là ce soir, ça. Yep. Ok. Quoique, en fait, si c'est le tien, je crois qu'il est plus proche. Ouais, c'est ça, on est tous les deux absents et vous êtes tous. Sinon, il y a tout le monde. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. D'accord, le garage de l'Eclipse Tower, il s'ouvre. Ça peut être bien, ça. Ok, bah si ça arrive, je me casse par derrière. Ton œuf. Je vois pas de quoi tu veux parler. Regarde, il est dans le coffre. Oui, bien, tout à fait. Ah non. Quoi, la misère de l'endroit, quoi. Donc là, ouais, si je les entends, faut vraiment que je me casse direct. Hein. Je cherche pas à comprendre. Nickel.
Des unités qui sont montées. Deux bagnoles. Ouais, ouais, bah j'ai vu. Bah t'as vu où j'étais, hein. J'étais dans le buisson contre le mur. Je les ai vus, ils ont... J'ai vu les deux mecs pieds à terre qui ont été dans le jardin. Puis après j'ai vu l'autre bagnole qui faisait le tour aussi. J'ai été perturbé par le mec là derrière. Ouais. Je me suis dit, mais il fait quoi lui? J'ai quand même réussi à voir 10 trucs. Par contre, ouais, t'as vu où j'étais? Oh. Vu sur la rue? Allez, c'est parti. Regarde-toi celle de gauche là. Oula, dans le trou.
happé personne. Ici, on est là. Hop là. Le mannequin. Aïe. J'ai rien tapé là. Oh. Quand il a fait... frôlé. Et là il a quoi? Là j'ai tapé là. Allez, vas-y avance avec toi. Il a frôlé, il a effleuré, il a chatouillé. Ça va mal finir cette histoire. Mmh. Je repose tout de suite. Dernière fois qu'on a tenté d'en faire un double plein, ça s'est mal passé. Ouais. Nickel. Ouais, on a noyé le moteur, il a fallu la faire remarquer au bénisme. Ah ouais, non mais... Pour moi, ça sera direction le dodo. Ça, bah, je vais faire pareil, moi j'allais manger. Donc... Nickel. Bon, du coup, le monsieur, il a dit qu'il allait manger. Bon, super. Donc il n'y aura plus que toi. Bah du coup, bah pas ce soir, demain du coup. Bah oui. Et tu peux pas les ouf ce soir? Bon, il y a un monde où c'est pas nous qui faisons les ouf, mais d'autres gens en gris ou en rouge. Ouais, je me doute. Bon, bah, je vais aller sur le toit. Et bah, demain. À demain. Allez, hop, on s'arrête là. Donc, ouais, du coup, ce soir, Return to Moria. On va voir ce que le jeu vaut. On verra. Après, ben, de toute façon, pour ce qui est prévu ensuite, c'est, y a rien de prévu, donc on verra. Pareil. Est-ce qu'on continuera? Est-ce qu'on continuera pas? Ce sera la grande question. Donc, sur ce, je vous dis à tout à l'heure.